La UK Hydrogen and Fuel Cell Association a lancé un nouveau groupe de réflexion dans le but exprès d'examiner les différentes possibilités de production d'hydrogène nucléaire sans carbone, y compris les stratégies électriques et thermiques. Le groupe de réflexion a reçu le nom de « Nuclear Enabled Hydrogen Working Group ». Les membres du groupe de travail sur l'hydrogène activé par le nucléaire comprendront des experts du Laboratoire nucléaire national, des universitaires, le cabinet d'avocats Burge Salmon, ainsi que Petrofac, la société de services pétroliers et gaziers. Ils se concentreront ensemble sur l'hydrogène nucléaire et les possibilités qu'il présente en matière d'énergie sans carbone. Le UKHFCA continuera de faire tout ce qu'il peut, en dirigeant la coordination avec les groupes concernés, pour s'assurer que le gouvernement reçoit des conseils cohérents, pratiques et experts, a déclaré Alan Simpson, responsable technique du NNL, qui est également le président du groupe de réflexion. Nous examinerons des conseils fondés sur des données probantes pour élargir la compréhension du rôle de l'hydrogène nucléaire dans l'ensemble du système énergétique, y compris dans les bâtiments, les transports et l'industrie, ainsi que des moyens spécifiques d'éliminer les obstacles, de soutenir les objectifs net zéro et d'accélérer l'utilisation. L'idée est d'utiliser l'hydrogène nucléaire, comme alternative zéro carbone à l'H2Vert fabriqué avec des énergies renouvelables. En 2021, le NNL s'est associé à DNV pour l'exploration du potentiel de l'hydrogène rose, en accompagnant la conversion des réseaux gaziers britanniques en H2. Selon le UKHFCA, la collaboration dans les réseaux d'hydrogène et de gaz d'origine nucléaire vise à établir des preuves supplémentaires, à l'appui des décisions politiques clés du gouvernement, en voie d'être prises. Ces politiques décideront du rôle que H2 jouera dans les bâtiments et le chauffage. Ce sera un élément important de l'orientation du groupe de travail. La conversion des réseaux nationaux et régionaux de gaz naturel en hydrogène pourrait être une solution de décarbonation puissante, en distribuant l'hydrogène à des millions d'utilisateurs individuels à travers le pays, où il peut être converti en électricité et en chaleur, sans libérer de dioxyde de carbone, a ajouté Simpson dans une déclaration sur l'avenir de l'hydrogène nucléaire. Cela permettra aux consommateurs de continuer à utiliser le gaz dans les maisons, les entreprises, et l'industrie, d'une manière efficace et conforme à zéro net. Merci d'avoir choisi HydrogenFuelNews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur H.F.N.